Pardon de tout ce que j'ai fait de mal, de pas correct. Je m'excuse au peuple français. Il a pété là. Oula, oula. Tu vas y arriver. Allez, Régis. Courage. Fais une pause. Fais une pause en bas. Fais une pause en bas. Pourquoi vous êtes des cochons? Dis le mec qui s'est affiché son micro pénis devant un live avec qui il a eu le. Avec mon micro pénis, j'aurais préféré être banni. Bon, con, tu l'aurais dans la boule, tu fermerais ta gueule. On y va! Suivez le bistop de Riri. Me suis fait caca dessus. Ouais, tu t'es fait caca dessus tout à l'heure. Et ta sœur, elle s'est fait comment, en prenant levrette sous le Trocadéro? Bah, je sais pas, tout à l'heure, là, quand tu t'es agenouillé, tu t'es pas fait caca dessus? J'ai eu un coup de barre. Ouais, tu t'es endormi, tu t'es pas fait caca dessus. Pauvre conne. Pauvre conne. Ouais, pauvre conne. Tu veux tu voir fait, mon stibar? Ouais, je veux voir ton stibar. Ouais, vas-y, monte. C'est ça que tu veux? Ouais, vas-y, va. Montre. Tiens. Est-ce que t'aimes pas mes boutons? Est-ce que mes boutons, c'est contagieux? Tiens. Pourquoi tu touches les couilles à chaque fois que tu montes ton caleçon, Régis? Mais parce que je peux pas. Tu veux ma queue? Non, fais pas ça, non. Non. Bon, tu veux ma queue ou pas? Non, tu vas te faire bad. Non, fais pas ça. Tu veux ma queue? Tiens, j'en ai rien à foutre. Non, arrête. Non. Régis, c'est pas ça. Tu vas te faire bannir, putain. Après, bon, elle est petite, donc je sais pas si. Oh, elle est petite, non mais. Putain, elle est petite, non mais t'as arrêté de conneries. Attends, je vais la masturber un peu. Attends, je vais la branler un peu. Putain. J'ai banni 2 semaines, tant pis pour vos gueules, hein. Tu as décidé à venir me parler et à me dire pourquoi tu m'as descendu comme ça et pourquoi tu as fait tout ça contre moi. D'accord? Je viendrai, je discuterai. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à te dire. Je te souhaite de bonnes vacances. Ouais, alors en tout cas, toi, arrête de parler de moi sur les autres lives. Je ne parle pas de toi. Attends, toi, je ne te parle pas. D'accord? Premièrement, Alberto, je ne te parle pas. Ah, bah si, parce que c'est bon. Bah si, parce que justement, on est ensemble. Allez, eh ben écoute, tu t'en es pris après moi, le fameux jeudi soir, alors que je te demandais simplement des précisions pour quoi. Ta gueule, tu me laisses parler. Ta gueule, toi-même. Allez, tout ce qu'on a fait ensemble, Isabelle, tout ce qu'on a fait ensemble, la moto, le bowling. D'accord? Avec tout ce qu'on a fait ensemble, le bowling, la moto. Ne mélange pas l'amitié et l'amour. Permets de parler, Pascal, quand même. Là, d'après tes propos, j'ai l'impression que tu as couché régulièrement avec la Savoyarde. Dans ces cas-là, ton comportement, tu te calmes. Pourquoi tu la harcèles, alors? D'accord. Ça sert à rien. Tu m'avais baissé en plus. Je vais c'est les meilleurs, les gars. Du travail? Non plus. En ce moment, c'est une situation un peu compliquée. Il est en train, normalement, là. Ouais, en ce moment, le taf, c'est compliqué. J'en ai pas, donc. Tu cherches du taf? On persévère. Ouais. Je cherche un homme de ménage, monsieur. C'est l'amour, le russe, en passant. Je te jure. Ah, ballon. C'est la première fois que je vois une grenade vraiment partir dans la gueule comme ça. Mais genre pleine bouche, les avaler, quoi. Cette grenade de BZ. Regarde, tu me fais peur, t'as la même tête que moi, regarde. Starfoula. Bismillah, Starfoula, Bismillah. C'est de l'arabe, ça. T'es raciste, toi, non? Non, je suis pas raciste. J'ai déjà mangé un kebab. Je vais souvent chez le Tunisien. Et je vais au marché aux puces. Et des arabes. Et toi, t'es un gars qui s'adore, tu violes les gens. Il y a des femmes. Ton sein. Montre les seins. Pourquoi tu essaies de me faire peur? T'as pas honte? On va niquer ta mère, c'est bon. J'ai fait une capture d'écran. Et alors, c'est des menaces? J'appelle la police? Allô? Je suis tombé sur une gitane, là, elle vend du cuivre. Ah, je sais, t'es qui, toi? Tu tournes dans un film. Et toi, t'as pas tourné dans le film ça, par hasard? Regarde, ma soeur vient, le gars, Joe. Arrête de me faire peur. Qu'est-ce que tu fais, Charlotte? La peur, tu spines avec la peur. Va dire rétro, Satanas! Charlotte! Ah, va dire rétro, Satanas.
Regarde, Gajo, Mathieu. Aspium, Atus. Atus, Portos, Aramis. Quoi tu as ? Tu fais aussi peur que l'autre ? Bah, des rétro Satanas ! Ah bah c'est quoi, dégage ? Ah, on te met de la mine à chitane ! Moi, j'ai flippé sa race, les gars. Ouais, ça fait... Les gars, on est d'accord que les deux meufs, elles faisaient peur ? Tout à l'heure, j'ai vu ton pénis. Moi, il m'a plu, même sans être en érection. Hein. Mais tout à l'heure, en cam, tu m'as montré ton pénis, j'ai kiffé. Ah merde, putain, j'ai mis des doigts à guigui, des doigts à guigui. Toutes les deux en levrette. Oui, bon alors avec ton pénis, j'ai un doute déjà sur une seule, mais bon. Je suis sûre que sur un film, un site de cul, Régis, ça devient un film d'horreur. Pourquoi vous êtes des cochonnes ? Alors Régis, sans vouloir t'offenser, dis le mec qui a fait une demande en mariage à genoux à la première meuf qui est passée, dis le mec qui s'est affiché son micro-pénis devant un live et qui a plus de 1 que Alpha. Qui est la gueule avec mon micro-pénis, j'aurais préféré être banni. Après Régis... Ah, le bâtard, regardez qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, Alpha. Pauvre con, tu l'aurais dans la bouche, tu fermerais ta gueule. Régis. Oh les bâtards. Ouais, c'est tous des salopes. Alors, Régis, je vais te faire rappeler que tu as une maman. Ah. On touche pas à ma maman. Eh ben, on touche pas aux femmes alors. Laisse-la voler, s'il te plaît, laisse-la voler. Eh ben alors, n'insulte pas les femmes de salopes. N'insulte pas. Ah, tu touches pas à ma maman. Toutes des salopes sauf maman. Toutes des salopes sauf maman. Bien après Street Fighter aussi. Bonjour. Bonjour, t'aimes beaucoup. Coucou. Oh, je suis pris en sandwich avec deux super amis. Salut Jeff. Salut Manu. Ça va ? Hello. Bah, faites connaissance entre How vous. How are you ? Jeff, je te présente je Manu. Je me présente, je m'appelle Jean-François. On m'appelle Jeff. Malgré que je me présentais Jean-François, tout le monde m'a toujours appelé Jeff. Ça fait au moins 40 ans qu'on m'appelle Jeff. Très content de te connaître. Je suis Emmanuel Ploquin, le petit Manu. Quelle est la dernière fois où tu as allumé un feu avec tes petits doigts? Je sais pas, il y a longtemps. Il y a peut-être 2 semaines, je sais pas. Mais qui les cons, le mec? Je crois pas dans le cas de toi. Je t'ai posé une question qui était débile, je te dirais même pas ce qu'elle veut dire, ma question. In the question. C'est tellement absurde que ça me fait rire. C'est trop marrant, putain. Mais c'est ça l'humour le vrai, les gars. Jouer avec la peur. Il a peur. Trop bien timé l'explosion. Peur qui te cherche. Oh. Mais il a quoi, c'est lui quoi, ça ? Mais sérieux ? Merde. Attends, mais. Sérieusement ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le mec, il voulait me violer. C'est ça, là, je suis énervé, là. C'est quoi, ça? En plus, je la connais. Donc, ça va être marrant. J'espère qu'elle a pas changé entre-temps. Ah, peut-être que Twitch, ça matrixe les gens, on va voir. Hein. Mais je pense pas, on va voir. Information rapide. Non, mais c'était il y a très longtemps, il y a très longtemps. En fait, il y a un autre qui m'attaque, monsieur. Découle-toi, ça sert à rien. Il y a un monsieur qui s'appelle Ryuz qui m'attaque. Il y a un ours. Non, mais au bout d'un moment, c'est... Pardon, excuse-moi. Allez-y, les contre-stalkers, vous pouvez y aller là, non sur son live, allez, contre-stalker sur son live, les gars, parce qu'il y en a qui vont dire de la merde. Non, mais regarde ce qu'il fait. Non, mais les gars... Les gars, au bout d'un moment, achetez-vous une vie, quoi. Achetez-vous une vie, les gars. Ah non, mais je vais le report, hein, je vais clairement le report. T'es mal armé derrière. Mais non, mais je sais, j'ai vu ça. Si tu parles, tu te fais ban quand t'es pas sub. C'est vraiment le mendiant par excellence. Il est mendiant. C'est incroyable. Ouais, au moins on a un chat de qualité au moins. Je pense que là, c'est un exemple de sexisme. Je le connais pas, ce mec. S'il est sexiste, commence pas. Bah, en fait, oui et non. Pars pas dans ces trucs, s'il te plaît. Pas comme ça. Marina, on est d'accord que t'aimerais qu'il te fasse des excuses à genoux? Ah, s'il se met à genoux. Oh bah, je m'en mets à genoux alors. Mais non, j'y croyais pas une seconde. Elles sont trop fortes. Oui, merci Marina. Mais non, elles sont trop fortes. Pardon de tout ce que j'ai fait de mal, de pas correct. Je m'excuse au peuple français. Emmanuel Macron, un beau discours. Je l'ai pété là. Oula. Tu vas y arriver. Allez Régis, courage. Putain. Fais une pause en bas. Souffle.
Vas-y, souffle. C'était pas une vanne. Alors, Régis, ce que tu vas faire, vu que t'es à genoux, tu vas t'asseoir. Roule. C'était presque ça, on y est. Non mais Régis... Le meilleur live de tous les temps. C'est pas aux escaliers, tu te démoldues. Ouais. Wow, c'est quoi cette voix sous hélium? Vas-y, mollo sur les ballons, toi. Vas-y, mollo sur les ballons, mec. Tu veux que j'aille en parler à Marie de ce que t'es en train de me dire, là? Tu racontes, j'en bats les couilles, Marie, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu baragouines? Ah oui, là, tu es en train de dire que tu t'en fous d'une grande professeure. Je sais même pas qui elle est. Moi, j'écoute le vrai professeur qui est devant. Grande professeure. Tu t'es rendu Vagos, t'es québécois, toi? Collez-le. Je dirais que Madame Orsan, c'est une... Que tu fais comme ça, je demande au professeur là de te coller. Oui, là, de te coller, je suis rendu Vagos. J'ai une voix de chiotte. Vous pouvez le coller, s'il vous plaît? Moi, je suis pas du genre à coller, je suis plus du genre à faire à dialoguer, voilà, ça, c'est un vrai professeur qui dialogue. Pas comme ces victimes qui... Bon débarras. Qu'est-ce que j'en fais? Ah, très bien. Il est ici, vous l'avez déposé, bien. Le soumettre à votre volonté. Parfait. Continuez ainsi. Allez-y, continuez. Continuez. Aidez-moi, j'ai besoin de vous, allez-y, criez avec moi. Continuez ainsi. Allons-y ensemble encore. Toute votre haine. Tu viens d'où? Je t'envoie déjà en bas de chez toi. Tu viens d'où? Je suis de Créteil, mec. Tu vas faire quoi, mec? Je suis de Créteil. T'habites où, fils de pute, à Créteil? Viens à Créteil, viens au palais, là. À côté des. À côté du lycée, tu vois, Issora. Vas-y, viens, du collège Issora. Vas-y, viens. Je te prends à MMA, mec. Coup de téton, coup de 1, qu'est-ce qu'il y a? Coup de téton. Coup de téton. Je vais devant devant le gymnase du jeu de paume. Envoie ton adresse exacte. Mais tu vas même pas venir, t'es en prison, bouffon, t'es en garde à vue, ferme ta gueule. T'entends ou pas? T'entends? Approche ta tête. Non, mais là, moi, vas-y. Vas-y. En vrai, mec, comment tu fais pour faire tout ça? C'est parce que je suis plus intelligent. Moi, j'ai fait études. J'ai fait études. Vous avez raté vos vies. Vous parlez pas nul. Français, vous pas maîtrisez. Vous dites tout le temps. Voilà, fils de pute. Sur le colon de Namek. Parlez à chaque fois de Namek. Vous connaissez rien de Namek. Hé, frérot, tu sais, j'ai quel âge? Oui, là, je dois avoir raté les études. Sale bâtard. J'avais 25 ans ou quoi? On sait très bien comment ça va finir. Vous allez faire un câlin et après, tu vas branler ton pote. Et tu vas devenir un bille. That's what you gotta deal with on a daily basis. I don't know what's going on. I don't know. Contact the government. Il appelle la police, regardez. Regardez, il prend son téléphone. I don't see him. Non, c'est vraiment le meilleur content, les gars. C'est trop beau. L'autre, il est en train d'appeler la police sur son téléphone. Ouais, tu te souviens, celui qui avait appelé la police en direct? Chinoise, hongkongaise. Le reste, je m'en bats les couilles. Moi, c'est la Chine. Toute ma vie, c'est la Chine. Alhamdoulilah, Allahu Akbar. La bismillah. Fier d'avoir... D'avoir fait la photo à la Cité Interdite avec le portrait de Mao Zedong. C'est passé quoi ici? Merde alors. Monsieur, la poubelle, ça l'explose. Bah ouais, arrêtez de traîner dans les stations, là, mettez-vous à l'électrique. Ouais, mais la poubelle jaune... Approchez-vous de la poubelle jaune, monsieur. Bah elle a rien, la poubelle jaune. Écoutez comment il fait, vous allez vous pisser dessus, vraiment. Mais il a du mal, maintenant il va mourir. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Je vous assure, j'ai pas timé ce machin pour mon retour, les gars. Ah, t'as pas... Je suis un aimant à cassos, c'est ouf. Écoutez comment il va tailler. Vincent Nikoumouk. Nikoumouk. Quand t'es descendu et tu t'es mis à genoux, t'es resté un petit peu amorphe quoi sur le moment. Donc tu... C'est pour ça, après, on peut refaire, si t'es d'accord. Moteur action. Bon, c'est pas compliqué, hein. T'as pas remarqué que j'avais bien teasé, que je m'étais un peu torché la gueule. J'ai mis une bonne claque à la bouteille de tequila avec du jus d'orange. Et quand je me suis mis à genoux, bah bien sûr, comme j'étais un peu blindé, j'avais du mal à me relever et j'ai été, pour pas avoir la honte, en caméra, je me suis décalé, je me suis aidé avec la table pour me lever et j'ai été me reposer dans ma chambre. J'étais plus là et moi j'ai dû faire le con parce que ce matin, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai un trou noir, pas le trou noir de mon trou du cul, mais trou noir, aucun souvenir, cubani jusqu'au 7 octobre. Pas longtemps, donc j'ai pas dû faire une grosse connerie. 7 octobre, vous avez la date. Le rendez-vous est pris, les gars. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche. Suivez le best-of de Riri.